Wesh les gens, j'espère que vous allez bien et nous voici, et là vraiment je vous le dis, au tout dernier épisode de la campagne de Code 4. Ouais c'est le 18ème, mais le tout dernier, là je vous le dis c'est sûr certain, le tout dernier épisode c'est celui-là. C'est parti, on va reprendre tout de suite. Oh, regardez, c'est marqué, voulez-vous reprendre la mission suivante, fin de la partie. Oui, on finit la game. Point d'extraction numéro 1 compromis. Rejoignez le point d'extraction numéro 2 au sud du pont. Présence ennemie importante. C'est trop chaud. Température ambiante? Sérieusement, une bière, ça doit être glacé. Une blonde peut-être, ou un verre d'eau à la limite. Mais une panne de brune? Va falloir que je fasse votre éducation quand on sera rentré au pays. En tout cas, on passe d'abord par l'eau. C'est moi qui paie. Ouais, au moins c'est pas la fin du monde. Vas-y. Let's go! Fin de la partie, ouais mon gars. Tenez bon! Salut là! Wow! Camion ennemi à 6h! Vivant ici, bravo 6! Où en est votre hélicoptère? À vous! Bravo 6, l'hélicoptère est retardé! D'accord! Je suis trop tard, Pipo! On sera mort dans 10 minutes! Camion approche, Paradox! Je suis mort! Ok, maintenant je tire sur tous les camions. C'est parti. Camion ennemi à 6h. Vivant ici, bravo 6. Où en est votre hélicoptère? À vous! Ce sera trop tard, Vivant. On sera mort dans 10 minutes. Camion approche par la gauche. Mais les gars, arrêtez de bouger. Expliquez-moi, arrêtez de bouger parce que moi j'y arriverai jamais. Hein. Camion ennemi à 6h. Vivant ici, bravo 6, où en est votre hélicoptère? Avant. Bravo 6, l'hélico est retardé. Charge, charge, ce sera trop tard, Pivot, on sera mort dans 10 minutes. Camion ouais. Approche par la gauche. Explique-moi! C'est quoi le bordel? J'ouvre l'arrière! On commence à être à l'étroit! Lance-roquette ennemi! Bute-le! Cible à terre! On va mourir. Sur le camion, un autre lance-roquette. Arrête de bouger. Ils vont tirer au lance-roquette. Détruis-les. Explose le camion. Je dégage. Je sais très bien qu'il y a un lance-roquette sur ton putain de truc, mais vas-y, arrête de bouger. À 9h.
tu veux pas toi. Prends un lance-roquette et tire sur non les t'as plus de munitions. Comment je vais. Merde. Hélico à 12h. Là j'ai plus le droit à la roquette. Il doit plus y avoir munitions. Ça me va bien comme ça. Ah. Oh merde. Il va détruire le pont. Arrêtez-moi cette saloperie. Oh. Ça se termine, c'est, ça se passe à le pont va partir ce longtemps. Moment-là où il fallait vraiment que j'expose des échos. Mon dieu. Ça va s'effondrer. Il faut foutre le cône là. Allez. Pivot, ici Bravo 5. Subissons un feu nourri sur le pont de l'autoroute. Coordonnées 244352. Demandons soutien d'hélicoptères de combat. À vous. Espèce de branleur. Cache, ils arrivent quand t'es foutu hélico. Capitaine Drake, on est tout seul sur ce coup. Ok. C'est parce que moi... Oh! Attends, on va tous se faire tuer là ou c'est parce que moi... Il est là! Il a pété. Vas-y, bute-le. Non, moi. Oh merde. J'aurais dû tuer les deux autres aussi. Ok. Vas-y, passe-moi le pistolet. Ah
au tiers des déchets. Ça va bien se passer, mon gars. Mais la chute, il faut avoir un staff chef au service. Un flou. Alors. Заберите его отсюда! Быстро, давай! Мы должны доставить его в госпиталь немедленно! T'as l'impression de la fin d'un film. Paraît indiqué, le gouvernement russe a confirmé avoir pratiqué une série de tests de missiles nucléaires en Russie centrale. Les chefs de gouvernement ont très vite dénoncé cet acte, mais les autorités russes affirment que ces tests respectent tous les accords de l'ONU. Le parti ultranationaliste n'a fait aucun commentaire. D'après la rumeur, le parti serait actuellement l'enjeu d'un combat d'échecs. Autre information, les recherches du bateau disparu dans le détroit de Bering lors d'une grosse tempête ont été interrompues. Du coup, je... C'est mort. RAF, contact multiple.
petit sprint, non? Ah mais en 1 minute 30 que mon dieu je le fasse. Attends, explique-moi, il est où le mec? Il y a des mecs qui se planquent, tu sais pas où ils sont. T'as déjà des mecs qui sont là, normal. Écoute-toi, toi. On avance, avance, toi, bouge ton gros cul toi. Vas-y, avance. Ennemi à terre. On est attaqué. À terre, à terre. Ennemi à terre. Avancez. Ennemi à terre. Explique-moi, explique-moi, explique-moi. Mais tu veux que j'en fasse... Eh, il me reste 19 mètres à faire. Mon gars, tu veux faire ça en 1 minute 40? Mais t'es un malade. Mais non, mais c'est un truc de ouf, il vous reste 20 secondes mon gars.
20 secondes. T'as trop de monde maintenant. Regarde, ça passe trop vite. Ennemi neutralisé. Oh, regarde. Mon gars, pour réussir à aller jusqu'au bout, il faut tuer tout le monde. Non, il faut tuer une personne par seconde. Regarde. On prend des balles, je sais même pas pourquoi. Regarde, c'est mort. Je peux voir. On est attaqué. À terre, à terre. Oh, regarde, 5 ennemis mon gars. Tu crois qu'en 1 minute 40 tu peux faire tout ça? Non. Je perds trop de temps, mon gars. Ennemi à terre. On est 23 secondes. Ennemi à terre. Ennemi neutralisé. Attention, on cherche un civil. Mais j'ai fait quoi? Bon là j'ai été le mec. Merde, la bombe est en marche. On n'a pas le temps. On doit y aller maintenant. On se tourne. Bien compris. Prêt à y aller. Pêche-toi. Vous avez débloqué le mode arcade et les codes de triche. Vous pouvez maintenant activer les codes de triche. Depuis le mode menu principal de pause, le mode arcade est maintenant accessible depuis le menu principal. Et bien voilà les gens, c'était la fin
de la campagne de Code 4. Je sais pas si ça a été rajouté à la fin, etc. Mais c'était vraiment une galère. Voilà. J'espère que tout ce let's play vous aura plu jusqu'à maintenant, etc. J'espère que Infinite Warfare, la campagne, va vous plaire. C'est pour ça que là, je me mets à fond dans les campagnes, campagnes mode histoire pour tout finir rapidement. Et après, moi, je peux m'éclater en mode en ligne et je peux faire des vidéos de ouf en mode en ligne. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que tout ce let's play vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez d'autres let's play comme Infinite Warfare ou même d'autres jeux que vous pouvez me conseiller de peut-être essayer et peut-être acheter pour faire des vidéos dessus. Bon, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Peace les gens.